Hop là! String. Alors, où qu'il est le jeu? Où qu'il est? Il est là, il est là. Ouais, c'est parti. Ah merde, j'ai fini mon café. Vous me direz, vu l'heure. Ah, peut-être que je garde autre chose. Ah, les suites des aventures de Portal 2, sachant que la boule bleue là d'intelligence artificielle s'était payée de ma tête la semaine dernière, c'était collector. Je me demande ce que la suite va donner. C'est bizarre de voir GLaDOS en PLS. Ça va pas s'arranger. Ok. C'est bon, bref. Aïe aïe aïe. Pipiri. Ah oui, je peux zoomer. Oui, ça peut aider le zoom. Alors, en versant. Si, n'importe nawak. Alors. Je me demande si. Ouais, je vois peut-être bien. Oui. Ah oui, c'est bien, j'ai changé le. Et ben, dis donc. Wow. Yukaida, je suis là. Où ça? Je l'ai entendu mais je le vois pas. Il est où cet idiot? Ah, il est là-bas. Ah oui, il est condamné à être sur son rail, c'est vrai. Ouais. Eh ben, c'est un sacré boxon. C'était la salle 7 ici. Oh, je m'en souviens même plus. Bah dis donc. Formidable! Vous avez vraiment trouvé un générateur de portail! Comme quoi c'est vrai ce qu'on dit. Aux innocents, lobotomisés, les mains pleines. Si oui. C'est pas beau quand même. Placez un portail sur le mur derrière moi et je vous retrouve de l'autre côté de la pièce. Yep. Ouais. Oh la vache, on voit. C'est pas mal hein dans la narration, on voit la machinerie monstrueuse qui est derrière les. Les trucs de sphère d'énergie et compagnie. C'est sympa. Bonjour Morgan Graze. Bonjour, bonjour. Traversé. Bon, écoutez. J'ai un truc à vous dire. Un truc assez barge. On m'a dit de ne jamais, au grand jamais, me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon, je mourrais. Mais là, on n'a plus trop le choix. Alors, tenez-vous prête à me rattraper. Au cas où je ne tomberai pas raide mort dès que je me serai détaché. À trois. On y va? Un. Deux. Oui. Trois. C'est haut. C'est trop haut même, non? Enfin. Bon, quand on y va à trois, on a trop de temps pour réfléchir. On va y aller à un ce coup-ci. Allez, on est prêt? Un. Chopez-moi! Ah! Ah! Je suis pas mort. Pas mort! Branchez-moi sur ce truc là-bas sur le mur, d'accord? Je vais vous montrer quelque chose, vous allez scier. D'accord. Je peux pas faire ça si vous matez. Non mais je plaisante pas, hein. Vous pouvez vous retourner une petite seconde? Ok. Je suis bon, vous pouvez vous retourner. Oui. Paf! Compartiment secret que j'ai ouvert pendant que vous aviez le dos tourné. Ramassez-moi, on part d'ici. Et c'est parti. C'est troublant comme expérience. C'est pas. Ah oui, parce que c'est condamné. C'est délirant. C'est. Oula.
Oh là là, il y avait même une caméra là. Coucou, ça va, regardez, petite question. Je suis plus tributaire du diktat du rail. Ah, c'est formidable. On peut aller où on veut. Où est-ce qu'on va au fait? Attendez que je me repère. Il faut que. Qu'on suive le rail. Attends, pardon. Borgragas, tu dis coucou, ça va? Oui, je vais bien, merci, j'espère que toi aussi. Petite question. Est-ce que Portal, c'est bien que Steam parce que les autres, c'est pas fou en termes d'ergonomie et visuel? Attendez. Est-ce que Portal, c'est bien que Steam parce que les autres, c'est pas fou en termes d'ergonomie et visuel? Oui, moi aussi, comme votre fan, j'ai du mal à comprendre la question. Est-ce que Portal, c'est bien sur Steam? Bah, Portal, que je sache, c'est une exclusivité sur Steam, puisque c'est la même société qui a développé le jeu. Non? Non, FunFan dit non, parce qu'il aime pas, mais bon, bref. Déjà que lui, il me retourne le cerveau, alors si vous, vous y mettez... mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, il y a des versions console. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait épisode console, ouais. C'est vrai. Ouais. Bah, au pire, sans trop vous divulgâcher, je crois, le jeu, vous pouvez demander Portal, voir sur Wikipédia en ligne. Oui, mais je parle de vrais jeux, de vraies versions jouables. Bah, FunFan te conseille éventuellement sur PS3 le premier Portal, mais jouer Portal à la manette, comme dirait Tunsen, c'est rajouter une difficulté supplémentaire. Parce que la précision à la souris, c'est... Bah oui, voilà, Morgan. C'est... Mon Dieu, c'est ça, je m'en souvenais même plus. Oh là là... Attendez, mais c'est la coulisse des salles de test, ça. Mais je peux être monstre et le balancer... Non, allez, je vais pas faire ça. Mais je pourrais être très vilain, s'il me parle mal, je le balance dans le vide. Oh là là, ce conglomérat de cubes et de gravats. Oh là, mais c'est un 6, donc je... Oh là, c'est... Les décors sont... Waouh. Oh, pourquoi jouer une tourelle? Attends, il y a un problème là. Je te dépose. Si je peux. Ah non, je peux pas te déposer. Sérieux? Ah merde. Oh non. Hey, bonjour, c'est ça, au revoir. Surtout les croisez pas du regard. Non, merci, ça va. C'est gentil. Avancez, avancez. Bonjour. Je me baisse. Bonjour. Je ne suis pas comme les autres. Ah bon? C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Elle a pas tiré. C'est vrai. C'est troublant. Oh, le bordel dans la tuyauterie. Il y en a des objets. Oh là là. Chargement, transition, et B. Ah. Pa 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 pam pam pam. Pa 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 pa. Au fait, je crois qu'il faudrait que je vous briefe sur un truc. Pour s'échapper, on va devoir passer par la salle de... Qui vous savez? Et si jamais elle est en vie, bah, elle va sans doute nous tuer. Si vous voulez, vous pouvez laisser tomber. On n'a qu'à rester tranquille ici. Pour toujours. C'est un choix. Choix A, rester tranquille ici. Choix B, aller là-dedans, quitte à se faire tuer, si elle est vivante. D'accord. Si vous avez des critiques ou des réserves sur ce plan, ce serait le moment idéal pour les formuler. Là, maintenant. Effectivement, je reconnais l'endroit, je... Au cas où vous croiriez avoir loupé le coche pour formuler vos réserves, c'est encore faisable. Oui. Le plafond était crevé, est-ce que je vois? On voit enfin la lumière du jour. Donc GLaDOS était proche de la surface. Ça peut expliquer pas mal de choses. Ouais, oui, il y a le coup du gâteau mensonge, le poison pour tuer les humains. Oula, tellement de signification.
Non, mais GLaDOS, il lui faut toujours un... Oh là là, c'est vertigineux. Un sujet de... d'expérimentation, sinon il s'ennuie. D'accord, je vais jouer carte sur table. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas entrer là-dedans. N'y allez pas. Elle est cinglée. Cinglée, je vous dis. Allez, en route. Oui, oui, oui. Là. Ah, ça a bien pété, hein, lors du... Alors ça, vous voyez, pour ceux qui connaissent pas Portal, c'est le résultat de Portal 1. Il y a... Wouh ! Ça a déménagé. Il faut la se dire... voilà. Celle-là, voilà. Quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle dingue. Vous savez qui a fini par la désactiver ? Ça, c'est la meilleure. Vous allez jamais me croire. Ouais. Un humain. Je sais, moi non plus, j'y croyais pas au début. Après ça, l'humain s'est échappé et personne sait ce qu'il est devenu. Et ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle il s'est absolument rien passé, et puis maintenant, nous qui nous échappons, donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ne touchez à rien. J'ose même pas franchir la... Oula, c'est quoi j'ai entendu? Non, c'est moi qui mets les pieds dans l'eau. De sa colonne vertébrale, là. Oh la vache. C'est sacrée machinerie. Il avait combien de câbles? Ouh, elle était multi-connectée, la mienne. Tu m'étonnes que contre Antonio et Pulsante. Le jeu de d'ombre et lumière est waouh! Saisissant. C'est. Oh. C'était la passerelle supérieure, ça? Non, mais de toute façon, c'est ouvert. La pluie s'est infiltrée. C'est pour ça que les autos ont poussé, tout a rouillé. Elle peut pas fonctionner, c'est pas possible. Il y a de la flotte partout. C'est... Oh là là. Il y a pas des trucs de cachés. Attendez, pardon, je vous suis même plus dans le chat tellement que je suis complètement absorbé par l'ambiance. C'est... Wouh. Ah, on n'a pas des souvenirs, ce truc. Ah, c'était là où on mettait les... Ah, pas que je te mette dedans, malheureux. Oh, l'incinérateur fonctionne plus non plus. Ça va être refroidi depuis bien longtemps. Donc l'explosion aurait voulu que... C'est vrai qu'on était happé par le haut à la fin. Il y avait un phénomène d'aspiration, mais... L'héroïne du premier se serait barrée en surface, en fait. Portée par le souffle de l'explosion. Descendez cet escalier. Ouais. Attendez, c'est fou, on est derrière le... C'était fermé, ça, avant. Il y avait un mur, ici, normalement. Il n'y avait rien derrière l'incinérateur. Sautez. En fait, à bien y regarder, ça fait loin, non? Ouais, c'est un peu... Vous voulez mon avis? Sautez. Vous avez des ressorts sur les jambes, pas sur les bras, par contre. Pour agripper l'appareil et moi, par extension, il faudra faire appel à votre force physique. Alors, surtout... Faites bien gaffe à rester agrippé. Ah, petite précision. Oui. Vous n'avez pas non plus de ressort sur la colonne vertébrale, ni sur la tête. Oui, vu la hauteur, elle exploserait comme un melon. Non, vraiment, les jambes, c'est de loin le meilleur choix. Une question. Vous faites de la muscu? Parce que si c'est le cas, ça se voit pas trop. C'est pas un reproche, hein, mais bon, l'atterrissage risque d'être rude. Oui. Je compte sur vous pour bien m'agripper. Mais pourquoi les sous-glados? Donc allez-y, sautez! Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Ah! Ah! Ah, je viens de penser au pire. Attendez. Non, j'ai trouvé encore pire que ça. Oui. Changement de programme. On évite toute pensée affreusement dégueulasse et on saute dans le trou, sans fond, sans se poser de questions. Oh, y a vraiment rien du côté de GLaDOS? Elle est désarticulée, mais elle a encore... sa colonne vertébrale, bon, c'est vrai qu'il n'y a plus d'alimentation. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors, est-ce qu'elle aurait pu se délocaliser sur un autre support, un autre étage, une autre section? Parce que c'est grand, Aperture Science. C'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de bâtiments. Bon, oui, allez, je vais aller faire le grand saut, et puis on n'en parle plus. Ah, par là. Non. Non, j'ai pas le droit.
Allez, go. Ça passe. Ça passe. Formidable. Vous m'avez agrippé. Tout va bien. C'était haut. Rudement bien, même. C'était haut, c'était haut. Je viens de baisser les yeux. Je vous le déconseille. Oh. Ah, c'est recommencé. Il est fou. Oh la vache. Oui, non, c'est le néant en dessous. Ça, c'est la salle des disjoncteurs. Hein? Allez, on entre. Cherchez un disjoncteur marqué module d'évacuation, d'accord? Et ne touchez à rien d'autre. Le reste ne nous intéresse pas. Ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver le module d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. On regarde, on vérifie, et hop, on regarde plus et on passe au suivant. D'accord? Et vous allez me dire que je me répète, mais surtout, ne touchez à rien. Vous le voyez quelque part? Parce que moi, pas. Vous savez quoi? Connectez-moi et j'allume la lumière. Oui, je veux bien. Vas-y. Que la lumière soit. Dixit, ouais. Dieu. Je citais Dieu. Ah! Regardez, on pivote. C'est pas bon signe. Est-ce mais qu'on tant monter? Qu'on monte pas, ça va. Alors, montez, montez. Module d'évacuation. On monte. Ah. D'accord. Ok, non, c'est pas grave, je maîtrise. Ça devrait nous ralentir. Non, c'est même le contraire. Très bien, on a tout activé. Mise en marche initialisée. Ok, pas de panique. Arrêtez de paniquer. Je peux arrêter ça. Il y a un mot de passe. Pas grave. Je peux le hacker. Non? Ok. C. Ah, mais j'ai pas essayé B. Vous avez un stylo? Prenez des notes. Mise en marche terminée. Bon, alors, changement de programme. On fait comme si de rien n'était. On n'a rien fait de mal. Bonjour! Tiens, c'est vous. Vous vous connaissez? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez? Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupée. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné. Depuis quoi? Ah! Oh non! Non! Ah! Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pouvons, je pense, mettre nos différends de côté pour le bien de la science. Sale monstre. Mais si vous vous êtes donné la peine de me réveiller, j'en conclus que vous aimez tout particulièrement les tests. Comme non je vous comprends. Mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Non, c'est horrible. Ah, c'est d'une symbolique terrible. Ah là 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 là. Oh, la chute interminable. Oh, quelle horreur. Nous y voici, l'incinérateur. Attention, je ne voudrais pas vous voir trébucher sur les restes de moi-même que vous avez jetés là. Le générateur de portail doit être par là. Trouvez-le et nous pourrons commencer les tests, comme au bon vieux temps. Ah, c'est horrible cette narration, c'est atroce. Ah, c'est génial, mais c'est horrible en même temps. Non, ah, quel cauchemar. Wow, sa vengeance sera terrible. Amadiana, non, le cauchemar continue. Est-ce que... Pourquoi ça vit, ça? Oh non! Il y a des débris qui chutent. Ça va me compliquer la progression. Ah! Ah, c'est ça. Ah. C'est une tourelle, ça? Attendez. Je peux aller là? Ouch, je prends des... Ah oui. C'est une tourelle. Comment ça? Pourquoi j'ai pas le droit de me servir de la tourelle? Elle a été pulvérisée, elle s'est autodétruite. C'est scandaleux. J'avais le droit à un trophée. Ouais.
Oula. Oulala. Comment je peux voir de la lumière? J'ai fait une telle chute, je peux plus voir la surface. Voilà. Attention. Voilà. Bien, vous avez le double générateur de portail. Avancez, il doit y avoir un moyen de retourner dans la zone de test. Début des tests, le protocole m'impose de limiter au maximum mes interactions avec vous. Pardon? Les tests n'ayant pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. Oh, trop aimable. Oh! Attendez, laissez-moi faire. Oh, mais... Savez-vous ce que j'ai appris de plus important grâce à vous? Que j'avais une fonction de sauvegarde rapide. Une sorte de boîte noire, qui en cas de défaillance majeure, préserve pour analyse les deux dernières minutes de ma vie. J'ai pu, ou plutôt j'ai dû, revivre mon meurtre de vos mains, encore et encore. Vous savez, si vous aviez fait ça à quelqu'un d'autre, il aurait pu passer sa vie à tenter de se venger. Heureusement, je suis au-dessus de tout ça. Je ne demande qu'à oublier et reprendre le travail. C'est vrai? Il y a beaucoup à faire et il ne nous reste plus que 60 ans. Mmh. Plus ou moins. Je n'ai pas les tables de mortalité devant moi. Oulala. C'est... Waouh. C'est très très particulier. Oula. Attendez. Non, je crois voir des choses, mais... Bon. Ça me rend tout fou. Watch. Oh. Il est là. Ce beau coin. Oui, une fois que je suis là, je fais quoi? Il y a un truc par là-bas ou... Non. Là-bas? Ah oui. Bon, ben, on va aller là. Oula! Qu'est-ce que j'ai vu? C'est quoi le laser rouge? Pourquoi je vois un laser rouge? Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est sa caméra. Non! Va mourir! Elle me voit! Non, elle me mate! Au secours! Ça recommence! Non! Au secours, elle est revenue à la vie. Ça va mal se finir. Ouais. Oula, c'est quoi? C'est l'acide en bas? Bizarre. Bon, dernier endroit où je vais sauter si je dois, mais... Oh, le bordel! Oh, le caillon! Ah, salle 19. Ah bon? C'était la dernière salle de test, ça? Sérieux? On se souvient même plus. J'ai tout oublié. Ne bougez pas, je vous écarte ça. Mais quel désordre ici. Ah oui, mais oui. L'important, c'est que vous êtes revenu avec moi. Mmh. Et maintenant, je connais toutes vos vilaines ruses. Nous allons pouvoir faire des tests jusqu'à la fin de vos jours. Après ça, qui sait? Je vais peut-être me mettre à la nécromancie en dilettante. Mmh. Elle est pas rassurante, Détho. Ouh. Ibé. Quelle histoire. Chapitre 2. Excusez le désordre. Je me suis un peu laissé aller depuis que vous m'avez tué.
À propos, merci. Diagnostic de sarcasme terminé. Ah, parfait. C'est de nouveau opérationnel. Je vais réparer tout le reste pendant que vous effectuez ce premier test très facile. Un test à base de laser mortel, visant à déterminer la façon dont les sujets réagissent au laser mortel. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Bon, bref. Bon, bah, qu'elle répare, qu'elle répare. Hein, de 22. Démarrage à froid. Oh là 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 là. Ouais, coucou, je suis là. Ah non, tiens. Elle a pas activé cette caméra. Étrange. Oh merde! Par contre, elle a su activer le laser. Vous, Dudu. Ah ouais. Sérieux? Non, pas sérieux, pas sérieux. Ah si. Ah. Mmh. Mmh. Dans un sale état. Pourquoi on peut passer par là? Bon, bon, bref. Vous vous débrouillez comme un chef. Mais je vous conseille d'économiser vos forces. Il reste encore beaucoup de tests. On dirait qu'on peut y aller, là. Non, non, non. C'était trop... Ouh. Oh, bon. Dur. Mmh. Mmh. IB. Vous de Dieu. La prochaine salle comporte des cubes anti-découragement. Je venais de les développer quand vous avez fait votre... petite crise. Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble. Mmh. Il doit y en avoir dans le coin. Mmh. Oui, je sais sauter. Merci. Ah ! Tu vas me détester, GLaDOS. Mmh. Elle a pas dit appareil de nanana détruit. Là, là il est mieux détruit là. Le laser est neutralisé. Je peux passer. Une autre manière de procéder. Bon bref. Alors, bon oui, il faut jouer avec la. C'était mon copain là ou Qu'est-ce que... Oui, ça pourra pas fonctionner, c'est pas calibré. Oh le bordel. Ça met tellement de fougue d'énergie que ça va finir par péter. Bon bref, à l'usure. Réfléchissons, réfléchissons. La 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 la. Le truc est là, le machin était là, donc si je fais pas de bêtises et que je vise bien mon coup. Attendez, je vais mettre du bon côté du laser et hop là. C'est cela même. Mais. Le coup du bouton, c'est quand même bizarre. Mais... Mmh.
Donc, une fois que je suis passé... Attendez, ça peut pas être aussi simple. Ça peut pas être aussi simple. Merci. Oh, oui, ça me... Finalement, elles sont pratiques, ces caméras. Non, je peux pas sauter et m'accroupir contre ces trucs, c'est pas... Chute de cube. Faudrait-il que je provoque la chute d'un cube? Quelque chose... Non, rien ne peut tomber sur le... Non. C'est pas logique. Attendez, la salle est grande. Elle était... Cube, chute de cube, réfraction de cube, mettre un truc... Ok. Oui, c'est bien ça. On est d'accord que la caméra ne peut pas faire office de... Ce serait abusé. Bravo. Voici les résultats des tests. Vous êtes quelqu'un d'affreux. C'est ce qui est marqué. Quelqu'un d'affreux. Quoi? Et les tests ne portaient même pas là-dessus. C'est pas assez lourd, c'est dommage. Voilà, je vois des choses derrière, je devine des... Le détail de la tuyauterie est merveilleuse. Réfléchissons. J'ai un cerveau. Ah mais oui, une fois que je suis en haut, attendez, je peux récupérer un objet, non? Si je fais... Aïe! Voilà, comme ça. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Ouch, il y a un truc qui a giclé dans la tuyauterie, j'ai pas compris quoi. Sûrement un débris sans importance. Quoi, thermal quoi? Ah, le foutu laser. Oups. Oh mon dieu. Mais le mec il est fou dans l'animation, on voit le gars qui regarde à l'intérieur de la... Avant que ça tire. Aïe. Bon allez bref. Eh bah dis donc. On profite pour boire un coup. Ne laissez pas l'argument quelqu'un d'affreux vous décourager. Ce n'est qu'une question statistique. Si cela peut vous rassurer, la science a maintenant entériné la décision d'abandon de votre mère biologique. Quoi? Mais qui se la raconte? Oh. Oula! On se calme. Ça fait beaucoup de laser en une seule fois, là. C'est bon, c'est fini. Je la vois déjà qui m'espionne. Qu'est-ce que... Quoi? Attendez, il y a des... Too many variables. Oui, il y a trop de variables. Des conserves, pots de peinture, je sais pas quoi. Exil et Sucker's Lock. Oula. C'est de l'art conceptuel. Ouch. Oh! Ce dessin. Avec un poste de radio. Thank you.
Là, ils vont poser problème, c'est... Non ? Attendez. Non, je fais n'importe quoi. Ah, c'était presque ça. Ah non, ça passe. Du coup, je... Ah, le cube, ce serait bien de l'avoir. Comment je peux faire pour... Je peux pas sauter. Non, c'est trop long. Réfléchissons. Ouais, il y a sûrement un saut malin à faire. Vous voyez comme disait. Ah! C'est chaud! Laser à mettre là. Félicitations, pas pour le test. La plupart des sujets sortent de cryostase en aide aux alimentations. Je tiens à vous féliciter d'avoir pris un poids non négligeable au mépris des probabilités. Ça va. Remue ménage, ça va. Waouh, ça va me retourner le cerveau, ce jeu. Excellent jeu d'énigmes. On sait pas de réflexe. Oh, nouvelle animation. Un instant. Oui. Vous passez ces salles de test plus vite que je n'arrive à les construire. N'hésitez pas à lever un peu le pied et... faire ce que vous voulez, à part détruire le centre. Eh ben, j'aurais pas à dire, mais... Merci. Y avait rien au-dessus ? Ouais, y a un peu d'air frais qui passe, mais... Ah ! Si, y avait un panneau, pardon. Alors, chute de cube, blablabla. Ouais, bon. C'est cool, c'est pas, c'est des dalles classiques, ok. Il y a pas de message. Coucou ! La grosse matteuse. Ah, il y a un bouton là-bas qui provoque la chute du cube. Ça marche. Merveilleux. J'ai gagné un cube, je suis aux anges. Alors, c'est pas très solide tout ça. Mais bon, va falloir s'en satisfaire. Dévier le tir de... Oh là 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 là, je vais plus avoir de marge moi. Ah! C'est intéressant. Ah, je crois avoir partiellement compris. Oula, c'est... Attendez, il faut que je mette l'orange là-bas. Au bon moment. Faut que je... Ah oui, attendez. Ah merde. Oula. Wouh! C'est très malin, très malin. Il faut que je mette l'orange là-bas quand la plateforme est du bon côté. 3, 2, 1. Ouais, je me contenterai de ça. Je prends le cube avec moi et je suis dans la merde. Attendez. Le bleu. Alors, j'ai le cube avec moi. Il faut remettre le bleu là.
Qu'est-ce que j'ai oublié de prendre en compte un mouvement là, j'ai un problème. J'ai un gros problème. Ouch. Attendez. Ah mais non. Voilà. Et l'orange du marchand. Et là je mets le bleu. Voilà. Ah, va falloir sauter. Ah, c'est chaud. Attends, je passe. Vas-y, tu vous peux continuer. Écoutez, j'en suis très heureuse. Ouh. Mais à titre d'information, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi lentement. Attends, c'était quoi que j'ai lu là? Mince, il y a un truc, je voulais voir un truc. Attendez. Bouge pas. Je voulais juste voir ce qu'il y avait là. C'était quoi ça? Ah, c'est le bras d'un panneau, d'accord. Je sens que ma curiosité va me tuer. À terme. Dirigez vos poignées d'amour vers l'ascenseur pour continuer les tests. Oh, mais elle me parle affectueusement, comme si on était intime. Mes poignées d'amour, oui, mais bien sûr. Ah là 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 là. Ah, qu'avons-nous à l'écran? Oui, c'était l'animation de la dernière fois. Je la connais, celle-là. Ah, n'importe quoi. La 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 la. Di 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 di. Ah, c'est une nouvelle animation, ça. Oui, du poids. Ah, éjecter vers les plateformes le cube dans les camions, d'accord, je viens de comprendre la vanne. Bon, bref, c'est de l'humour à la GLaDOS, hein, on va dire ça comme ça. Alors, toujours des pubs, vous avez ça, et je peux être victime d'une hydrocution. Ah, voilà, ok, je vais me faire éjecter avec les plateformes. Le test qui suit comporte une plaque de foie aérienne d'Aperture Science. Elle faisait partie d'une expérience visant à tester les facultés logiques de sujets catapultés dans les airs. Oui. Les résultats ont été très probants. Oh. Le catapultage inhibe la logique. Bonne chance. Oh, c'est gentil de découvrir pour moi des parties blanches. Ça me plaît beaucoup. C'est pas comme si cette salle était gigantesque, hein? Elle ne me matera plus. Où vous, Doudou? J'ai sens que ça va être une éclate totale. Mais une éclate de la face contre les murs, quelque chose de violent. Tiens, c'est pas une des caméras là-bas? Je l'ai eu, la vilaine. Oh là là, attendez. Oh, ça sent le rattrapage de cube en vol. Il va y avoir un numéro de cirque là, ça va être. Je peux pas tricher? Ah oui, bah non, je peux pas sauter. La bonne blague. Oh la vache. Oh non. Non. Oh, ce numéro de cirque. Mais c'est pas vrai. Allez, musique. Ils m'ont coupé de la musique, non, vraiment. Que saviez-vous? Ce que vous respirez n'est pas vraiment de l'air. Il revient trop cher à pomper. Nous prenons le dioxyde de carbone d'une salle, que nous assainissons et réinjectons. En fait, vous allez respirer le même air pour le restant de votre vie. Intéressant, non? Ah, là j'ai loupé, tiens. Ouais, c'est... Bon, c'est pour les bases, hein. Ça monte tout doucement. Ah.
Oui, le coup de la livraison du camion, oui, non, oui, non, effectivement. Bon, bref. Vache, c'est... Waouh. Morgane dit désolé, nanana, je vais manger, faire soirée Fortnite. Oh, bien! Oui, manette, c'est injouable. Eh ben, merci d'être passé, Morgane. Passons au test suivant. Bonne soirée, bonne app. Les plaques de foie aériennes avancées. Bon, amusez-vous bien à fendre gamment les airs. Moi, il faut que j'aille dans l'aile qui était faite entièrement en verre pour ramasser 60 000 mètres carrés de verre brisé, toute seule. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, GLaDOS? Ouais, non, c'est bien, bon Fortnite à toi, Morgane. A plus, merci d'avoir été là. Alors, toujours encore des cubes, toujours encore des sauts de... Wouh! Oula! Mais attendez, là, je peux pas passer. Merci. Allez, qu'est-ce qui casse encore? Je vais attendre que ça se tasse. Ah, il y a un truc qui s'est refermé. Pas complètement. Ouais. Eh ben. Alors, j'atterris où là? Oh vache. J'atterris là. Ok, il faut falloir compléter le parcours. Ouais, bah je peux reprendre avec un portail 2. Faut jouer d'un mouvement de synergie là. Attendez, voilà, il y en a des choses dans la police. Est-ce que là j'ai un truc là? Ah, tout simplement, j'aurais dû mettre le portail orange, d'accord, ok, ok, ok. Merde, je suis tombé dans le vide, con. J'ai trébuché, j'ai glissé, chef. Dommage. Passons au test suivant. Tiens, des plaques de foie aériennes avancées. Bon, amusez-vous bien à fendre gamment les airs. Moi, il faut que j'aille dans l'aile qui était faite entièrement en verre pour ramasser 60 000 mètres carrés de verre brisé, toute seule. Oui, je me suis peut-être lancé un peu trop tôt là. C'est... Oh, joli! Wow! Je l'ai fait du premier coup. Stylé! Il est où le cul? Oh, pardon. Je n'ai pas fini de nettoyer les salles de test. Du coup, il reste parfois des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité. Tâchez elle a de l'humour. Les déchets qui foncent sur vous. Ah non, elle m'a foutu une tourelle qui tue. Mais non, mais non, mais elle a rien à faire là, la tourelle qui tue. Elle est passée où la tourelle? Là-bas? Oh merde! La tourelle est là-bas. Oh là là! Oui, oui, oui. C'est tombé dans quoi là? Ah, c'est tombé dans du dur. Enfin, par... Oh, il y a un poste de radio là-bas. Oh là là, c'est très 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 bizarre. Oui, Nachelman, je file aussi. Oui, tu prépares ton direct sur... Oui, oui. Quoi? Ah, avec un des meilleurs jeux du monde, Boat. Ah bah j'irai te passer te voir sur Kick, Nash. Avec grand plaisir. Bonne soirée, bonne app à tout à l'heure, Nash. Je te ferai ta pub tout à l'heure. Il faut que j'y pense avant de fermer mon antenne. Que je te fasse ta pub pour les intéressés qui vont te suivre sur Kick, qui est la plateforme concurrente de Twitch. Ouais, c'est cool. Oui, bah c'est bien, je vais découvrir un jeu, probablement. C'est cool, c'est cool. Je suis preneur. Alors attendez, je... Ah oui. Je crois qu'il faille faire ça. Pourquoi?
Pourquoi un CD? C'est un CD, les ça. Les déchets ne se prêtent pas aux tests. Ce sont des déchets. Appuyez encore sur le bouton. Bah... Oui, je sais pas, c'est... Oui. Ah, ça, c'est plus lourd. Merde, ça compte pas. Ah, une chaise. Mais non, mais c'est bien comme déchet, ça pèse lourd. Merde, j'ai dégommé l'autre, pour le con. Le poste de radio. Ah, cet air est connu. Merde, les objets rebondissent trop et tombent en dehors du bouton pressoir. Je l'ai donc dans le cul, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Oh merde, encore des déchets? Bon. Ah oui, c'est le vrai cul. Ah oui, c'est le vrai cul. D'accord, d'accord. Ok. J'espère que la tourelle déchets va pas poser problème. Non, ça va. Alors, tac, on va faire ça. Le cube va me parvenir. Peut-être que je vais mettre sur la trajectoire du... C'est pour moi. Merci, j'adore. J'ai compris. J'aime beaucoup le test. Ça, c'est un bon test, ça. Hop là. Allez, go. Oui. Il est bien tombé, merveilleux. Il est bien tombé. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité? C'était une métaphore. Je faisais implicitement référence à vous. Et je suis désolée. Vu votre manque de réaction la première fois, j'avais peur que vous n'ayez pas saisi l'insinuation. Ce qui aurait rendu les présentes excuses absurdes. C'est pourquoi je viens de vous traiter à nouveau de déchets. Soupir. Non, je connais cette animation. La 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 la. Ibi. Le saviez-vous? Les personnes qui n'ont pas la conscience tranquille sont plus sensibles aux crises car elles... Pardon, je ne sais pas ce qui est arrivé. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Oui. C'est mon petit cube avec le petit cœur là, comme j'aime. Oh, le petit cœur tout choupinou. Portail, machin, cube, je sais pas quoi. Allons bon, elle va encore détraquer des trucs. En voulant réinitialiser le bordel, ça va être complètement cassé. Ou pas. Si je pouvais passer sans encombre, c'est laser à la noix. Merci. Ah, oh, c'est mon petit cube à cœur chez Diadoré. Je suis trop content. Vous êtes trop bien. Je suis en joie. Bon, j'avoue, je sais pas quoi faire de ça. Oh, l'aurais-je détruit sans vous laisser le temps de terminer le test? Désolé. Retournez en prendre un autre. Ah! Sadique, j'ai failli me le prendre dans la tronche. Vilaine fille. Oh, zut, je l'ai détruit aussi. Pas bon, grave. Vilaine. Nous en avons plein les entrepôts. Aucune valeur marchande. Vous m'en débarrassez. Oh! Mais... Ah, la sacrée Gladius. Oh.
Ah, l'atmosphère est imparable, hein, je vous le dis, moi. Allez, you! Aïe! Ah non, c'est... Non. Non, 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 non. Oh! Que vois-je? Comme ça, peut-être? Oh! Petit cube. Petit cube, la 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 la. Petit cube qui me manque. Eh oui. Petit cube, où es-tu? Petit cube, tu es là. Je crois que j'ai réalisé en partie l'épreuve. Attendez, 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 attendez. Attendez, attendez, attendez. Je vais faire le tour du truc. Attendez, attendez, attendez. Waouh, c'était ça. Ah! Si, j'ai eu peur que le cube tombe mal. Alors, le cube ne doit ne plus être manipulé. Ne plus manipuler le cube, ne plus manipuler le cube. Si je mets le portail là et que je saute dans le... Waouh! Youhou! J'ai gagné. Alors la vilaine, elle fait moi sa valine. Il mériterait que je te désactive là aussi. La vilaine fille. Y'a quoi là-haut? Y'a des bizarreries là. Oh, chaque salle de test est équipée d'une grille d'émancipation en sortie pour que les sujets de test n'emportent rien avec eux. Celle-ci est endommagée. N'emportez rien, surtout. C'est intéressant. Pourquoi j'ai envie de la contrarier? Pourquoi? Bah oui, mais je peux pas... J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais je peux pas. J'aimerais bien, mais je peux pas. La 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 la. Ce serait drôle en même temps. Attendez. Elle me donne envie de lui tordre le bras et de la... Hein? Mais non, mais je peux pas. Je peux pas retirer le cube et le récupérer, là. Il est trop loin. Attends, je m'agenouille et je... Non, il est hors de portée. Ah! Ou alors je le pousse un peu... Allez, je suis fou. Je suis fou. Je pousse un peu... Attendez. Ça peut s'arranger. Voilà. Ça compte, ça compte. Ça compte, c'est dans la zone, ça... Ça compte. Oh, si j'arrive à contrarier GLaDOS, je suis au paradis. Allez, rien que pour l'énerver. Non! Non! Oui! Oui! Je vais la faire rager. Ah, tu parles que c'est un succès, préservation de masse. Ah, je suis trop content. Je crois que celle-là allait vous avouer sa flamme. Bien sûr qu'elles ont une conscience, mais il y en a tellement. Je crois qu'on va avoir un petit tête-à-tête, GLaDOS et moi. J'en dirai pas plus. Mais je suis content de l'avoir... contrarié. M'étonne que c'est un succès caché. C'était sûr. Mais je suis content. Voilà. Le prochain test fait intervenir des grilles d'émancipation, vous vous souvenez? Je vous en ai parlé dans la dernière zone de test qui n'en comportait pas. Oui. Oui, 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 cette animation de désintégration. Alors, 8. Oui, 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 j'adore les cucubes. Oh, toi, tu vas arrêter de me mater, toi. Qu'est-ce que c'est que ça?
non, encore les turbines. Je dois vous laisser. Ah, mais c'est vrai, il faut expliquer le prochain test. Je vous donne la version courte. Voilà, si vous avez des questions, repassez-vous mes instructions au ralenti. Testez à l'instinct, je reviens tout de suite. La vilaine. Alors, j'aurai du temps à perdre, je reprendrai l'extrait et je passerai vraiment au ralenti dans un logiciel spécial. Je ralentirai de 1000% le... Ah, la peau de vache. Ah, bon, bref. Ah, alors, réfléchissons. Ah, bah oui, mais oui, bien sûr. Bien sûr que non. Attendez. Ah! Presque. Réfléchissons. Attendez. J'ai pas pleinement conscience de tout l'environnement là. Pause. Désactivez-moi tout ça. Oui, la sortie est là. D'accord. Mais lui, il va désintégrer si je. Ah oui. J'ai pas le droit de le. Ah Mais non, que je suis con. Mais bien sûr. Mais. Ah. Ouais, t'es la déconnade. Alors, il est où ? Ouais, il est là. Merci. Alors, lui, il va là. Alors, pour éviter tout problème, je vais mettre le truc plus haut. Oui, pas loin. Ouais. Hop là, attention, c'est chaud. C'est chaud. Oui, bah c'est bon. Voilà, je passe sous le laser et voilà. Oui, il n'y a pas 36 solutions. Tabac. Jusqu'à maintenant, j'ai pas trop le cerveau transformé en béchamel. Ibi. Déjà chapitre 3. Retour. Non, sérieux. Oh. J'étais tellement plein d'espoir pour que ça dure un peu plus longtemps, mais bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'il y ait 50 chapitres, là, c'est trop bon. Ok. Quoi ? Et là, je meurs. Mais je peux pas sauter dans l'animation, le mec, il est fou. Il y a un mur invisible. Alors, tac. Non mais non, ça a mon sens. Oula. Ah. Là, ça baisse. Ah, je peux passer par... Non, je peux pas. Ah. C'est du... Faut filer, t'es là. Ah, d'accord. Hé, c'est moi. Oh. Tout va bien. Mais dis... Voilà. La plaque de foie aérienne envoie un signal de détresse. Pourquoi ? Vous l'avez cassé, n'est-ce pas ? Voilà, essayez voir. Je croirais jamais ce qui est arrivé. J'étais là, par terre, vous pensez que j'étais... Cette plaque ne doit pas être étalonnée pour quelqu'un de votre... adiposité. Je vais augmenter le poids maximum de quelques zéros. À propos, vous avez l'air en forme, très svelte. Essayez donc. Elle va pas m'encastrer, quand même ! Attendez, ça va mal se finir. Elle va m'encastrer dans le plafond là. Autant. Alors si elle m'éjecte puissamment, autant que ce soit un endroit agréable.
Enfin, si je peux en trouver un. Là-bas, il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Attendez, j'essaie de voir un peu. Oula, il y a une distribution de cubes là-bas loin. Là-bas, il y a quoi? Ah, il y a une sortie. Non, mais... Voilà, je crois que c'est plus raisonnable comme ça. Ouh, je sens que je vais avoir bobo. Putain, qu'un oiseau dingue, non? Et donc, l'oiseau... Vous avez visiblement dépassé son seuil de charge. Bravo. Je vais plutôt baisser le plafond. Ah! Un pilote qui me fait la causette? Ah! Ah, c'est apprécié. Ah! Attends, mais mon interlocuteur, il est passé où, du coup? Il n'est pas en dessous? Il était où? Attendez, je suis déstabilisé. Non, il était là-haut, derrière. Oui, d'accord, non, je peux pas le rejoindre, là. Merde. Ah, dommage, il me faisait la causette. C'est pas grave, j'aurai l'occasion de le revoir plus tard. Alors là, sûr, il me faut un cube pour dévier le... Il me faut un cube. Comment je... Oh, l'autre qui me mate toujours et encore. Réfléchissons. Oui, donc ça marche pas. Ça ne marche pas. D'accord, j'ai pas vu de cube jusqu'alors. La distribution de cubes se fait là-bas. Mais comment je déclenche le... Ah, il y a un bouton là. D'accord, le laser est pas cool du tout. Comment je fais pour atteindre cet endroit, moi? Je pense qu'il faille que je me propulse. Le bleu, il faut que je chute de haut. Ah bah voilà. Oui, mais c'est ça. Voilà. Mais oui, non, mais c'est mon copain qui l'a fait taire, la peau de vache. Ah, et puis il faut que je reparte dans l'autre sens pour le récupérer. Oh là là, c'est bordel. Allez, c'est reparti. La 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 la. Alors, le cube. Tiens, il y a une péricule. Alors, je le... Youp là, attention, c'est dangereux ces machins-là. Alors, il faudra faire passer le laser en faisant... ça. Puis, ça. Nous sommes d'accord. Donc, le laser passe et moi je trépasse. Attendez. Il faudrait que j'atterrisse là, mais je vais casser le laser quand je vais changer les positions du portail. Non, j'ai compris, ça se fait en plusieurs temps. C'est brave, on va désactiver le laser pour le moment. Le bleu. Mais oui, mais bien sûr. Mais c'est bien sûr que ça se fait en plusieurs temps. C'est du génie. C'est... Quelle classe. Vous avez toute la grâce d'un aigle qui pilote un dirigeable. Yeah. Elle parle mal, cette fille, elle parle mal. Parce que j'ai accès à toutes les phases d'ici. Voilà! D'ailleurs, je peux pas lui clouer le bec, là, la vilaine. Elle a pas une caméra détachable. Elle mérite. Ouais. Je vais dire que je vais être indulgent pour une fois. Ah, j'ai eu peur. J'ai dit, mais il n'y a plus de cache d'ascenseur, ça va pas. Allez, fin barge, GLaDOS. Mais non, cette animation, on la connaît aussi. Eh ben, dis donc. Ah.
Le prochain test va vous plaire. Je vais me rendre à la surface. Il fait un temps superbe. Hier, j'ai vu un cerf. Si vous venez à bout du prochain test, je vous autoriserai peut-être à prendre l'ascenseur jusqu'à la salle de repos pour vous reparler de la fois où j'ai vu un cerf. Oula, gare, je me mets dans l'angle parce que elle va me déclencher de ces trucs. Ça va, y a pas des panneaux qui se cassent la figure. Oula. Ça bouge, ça bouge. Ah, un cube. Je veux bien le cube. Je sens que ça va mal se finir avec ce cube. Bon, bref, il est hors de... Oh là 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 là, ce bordel. Oh là 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 là, ce bordeloum, ce bordeloum. Oui. Oui. Alors, prenons le temps de prendre conscience de la grandeur des lieux. À quoi ça sert, ça, là-bas? Ah, propulsion d'un objet proche contre le... Et péter le carreau? Non. Oula, ça chute de haut, ça. Ça, attends, ça propulse où? Ah, d'accord. Ok. Oulala. Là là. Oulala, là là, c'est gigantesque. C'est... Waouh. Alors, ça m'a propulsé là, ça m'a... doucement. Il n'y a pas un jeu d'ombre chinoise, ça veut rien dire? Non, je sais pas. Qu'est-ce que... Pourquoi ça a bougé, ça? Réfléchissons. Parce que ça va pas loin, ça. Ça va pas loin. Les panneaux, clac, par rapport au laser. Ah, si j'ai un objet qui casse le laser, le panneau ne sera plus déployé. Il me faut un débris, il me faut un truc, il me faut un chose. C'est tellement bizarre là-dedans, il y a ces trucs. Il y a quelque chose là-bas il y a un... Oh là là, il y a tellement de choses. Réfléchissons. Il faut que j'arrive par là-bas. Donc si je me laisse chuter là... Ah! Trop bas, mais l'idée était excellente. Attendez. J'ai mal mis mon portail. Trop bas. Voilà. L'idée était là. Ok. C'est un excellent remue-ménage. Oui, doucement. Doucement. Tout doucement. Voilà, là je vais casser la réception du laser. Donc forcément, les panneaux se rabaissent. Et la vilaine qui me mate toujours, c'est vertigineux. Oh là là, il y a de ces trucs. C'est un bordel monstre. Voilà, doucement. Voilà, je vais mettre le cube en position bien chiante. Voilà. Donc, si je me propulse à donf, il va se passer quoi? Ah. O-I-O-U-Y. Attends, ça tombe où?
Non mais c'est cassé ton truc. Ah non, c'est pas cassé. Ah merde, je vais avoir un cube qui arrive. C'est extraordinaire. Ou pas. Attendez. Cube, réflexion. Ah, j'ai peut-être besoin de d'interchanger les cubes. Réfléchir. Attendez, l'orange il est là en bas. Je vais réutiliser celui-là pour aller là. Avec le cube là, je vais interagir en échangeant les deux cubes. Parce que je vais avoir besoin d'une réfraction. Mais non. Là. Ou pas. Attendez. Mais si, c'est du génie. Il faut que je tire le... Attendez. Merde, non, il va m'éjecter mon cube. Ah, j'ai pas fait gaffe, mais je peux passer à côté. Il se passe quelque chose. Ah, petit Seb, encore, merci. Merci, alors que je suis en train de me torturer les méninges sur Portal 2. Oui, bonsoir et bienvenue aux arrivants, merci. J'espère que ton direct s'est bien passé une nouvelle fois. Merci petit Seb, je suis en pleine réflexion de casse-tête. Oups. Ah mais oui. Portail bleu là-bas, réflexion avec le laser là-bas. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Moi j'ai gagné un cube et oula. Et je vais faire un joli voyage avec des rebonds. Message de Funfun 1992. Re-bienvenue à la commande et @petitseb_live. Je réponds plus de rien. C'est... Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Voilà, c'est gagné. Bienvenue. Je n'ai pas vu le cerf aujourd'hui. J'ai vu des humains. Mais avec vous, j'ai tous les sujets de test qu'il me faut. Un de ces jours, j'aurai GLaDOS comme voix d'accueil Westbot. Je le sais. Ça m'arrivera. Re-coucou, petit Seb. Merci d'avoir pensé à moi pour le relais de chaîne. Ah, j'ai le cerveau retourné, là. Ce jeu est redoutable. Ah. Avec la vilaine GLaDOS. Eh ben, dis donc. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, on se retrouvera samedi matin avec Petit Seb pour la suite de Starbound. Normalement, hein, si j'ai pas un dérangement d'agenda. Mais normalement, samedi prochain, j'aurai plaisir avec Petit Seb de continuer l'aventure féerique de Starbound dans les étoiles. Qu'est-ce que c'est que cette animation de fou ? Ah oui. Je me souviens dans la coopération avec Twinsen. Oui, les champs physiques de force là pour marcher dessus. Oui, ça ouvre la voie à de nouveaux horizons. Ces ponts sont faits d'une lumière naturelle que je pompe de la surface. Si vous frottiez votre joue contre l'un d'entre eux, vous auriez l'impression d'être dehors, le visage baigné de soleil. Oh. En outre, vos cheveux s'embraseraient. Je vous déconseille donc d'essayer. Oh. 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 T'as pas intérêt à tomber là-dedans, ouais. Ah, il y a une distribution de cubes. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh. Oh mon dieu. Bon. Elle, je présume qu'elle connaît déjà son sort. Comme ça. Bref. Oh, la vilaine GLaDOS. Tiens, une baignade. Ah, qu'est-ce qu'il y a derrière ce panneau? Oh! Mais non! Mais il était là! Je l'ai vu! Quoi? Oulala. Il était là.
vache. Ah oui, comme ça, c'est très très plaisant. Putain, y a des petits trucs. Donc, il faut mettre un truc. C'est quoi là ? Oui, notre truc de cube. Le cube, il tombe là, mais. Oh, bonne mère ! Comment vais-je faire ? Ah non mais c'est continuel en fait, le truc il est buggé. D'accord. J'ai activé un process de fou furieux. Ok. Tout va bien. Est-ce que... Ah, c'est intéressant. C'est intéressant mais je peux pas l'atteindre. Non. Je ne peux pas l'atteindre. Attends, si je vais assez vite, je peux. Ah. Voilà. Il y a sûrement quelque chose d'intéressant par ici. Ah. Oh. Oula. Oulala. Comme ça. Oh non. GLaDOS, t'abuses. Non, t'es vraiment une vilaine fille. Oh merde. Non mais ça se fait pas. Oh là là. Ah. Bon. J'ai gagné un cube. Oh là, il y a vraiment des trucs qui sont cassés par ici. Alors, où en étais-je? J'ai gagné un cube. Merveilleux. Prodigieux. Par contre, pour atteindre la zone où le déposer, vas-y. La 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 la. C'est renversant, m'en parle pas. Di-di-da-di-da-da-di-da. Je suis perdu, je l'ai dans le cul. Ah bah oui, oui, non, si, c'est ça, attendez. Oh là, et oh, j'ai failli perdre mon cube dans les interstices des dalles cassées. C'est scandaleux, remboursé. C'est scandaleux. Voilà. Bonne chose de faite. Et je reviens comment? Ah. C'est problématique là. Ou pas. Ou pas. Non, c'est un peu bas. Merde. Shot. Crotum. J'ai merdé. Ah, c'est au-dessus de moi, Merlin. Je peux pas. Non, je peux pas. Je peux pas, c'est au-dessus de moi. Je peux pas, c'est au-dessus de moi. C'est au-dessus de moi, j'en veux pas. Et si c'est trop en dessous, je coulerai du coup. Ou alors il faut refaire la. Oh. Enfin, j'ai compris, il faut refaire le passage par. Enfin, oui, la condition était de bien viser, ce qui n'était pas mon cas. On saute et hop là. Wouh, j'ai réussi à me décaler. D'extrême justesse. On saute et hop là. On rectifie littéralement le tir. Merde, je vais devoir redescendre tout ce truc de fou. Alors, c'est reparti. Je vais me mettre là, ce sera plus facile. Et... Mais qu'est-ce que je fais? Ah bah oui, mais bien sûr. Et ensuite... voilà. Wouh! Bon. Excellent. Vous êtes une prédatrice et ces tests sont vos proies. À propos, j'ai réalisé des recherches sur les requins pour un futur test. Connaissez-vous d'autres créatures qui tuent leurs bienfaiteurs? Les requins, vous dites? Erreur. La bonne réponse est personne. Personne sauf vous n'a cette cruauté gratuite.
Alors, c'est marrant qu'elle parle des requins parce que il est vrai que je crois que c'est la seule espèce animale qui soit douée de cannibalisme intra-utérin. Je m'explique. C'est-à-dire que le petit bébé requin dans le ventre de sa mère bouffe le... Bonne nouvelle. J'ai trouvé comment investir l'argent que j'épargne en recyclant le volume d'air qui vous est destiné. À votre mort, je vais faire plastifier votre squelette et vous accrocher à l'accueil. Ainsi, les générations futures pourront éviter l'inconvénient d'avoir votre structure osseuse. Elle est barge. Oui, donc cannibalisme prénatal intra-utérin, c'est-à-dire que lors de leur naissance, les requins bouffent l'utérus de leur mère pour lors de l'accouchement. C'est un truc de fou. Je sais plus où est-ce que j'avais appris ça. Et c'est la seule espèce qui soit aussi violente en plus de la capacité de régénérer les dents. L'infinité, je... enfin, de manière infinie, je crois. Enfin bref, c'est la nature et d'une puissance folle. Bonjour et bienvenue Mister Feu 67. Alors pour le moment j'ai pas, voilà, oui c'est ça, comme Fun Fan, merci, besoin de me laisser découvrir. Si je suis vraiment dans la panade, déjà je sais qu'une scène va me souffler des mots interdits au creux de l'oreille, mais merci de proposer, mais je pense que ce sera pas nécessaire Mister Feu. Là, pour le moment, honnêtement, je suis pas peu fier de ma prestation. Ça va, je m'attendais à être stoppé plus tôt. J'arrive encore à connecter 2-3 neurones dans ma caboche de manière formidable. Pas trop lente. La porte est en panne. Il va falloir que quelqu'un la répare. Oh non ! Pas de problème. C'est encore moi qui vais me dévouer. Ne touchez à rien. Oula, elle va projeter un truc à travers la porte, cette nunuche. Hé, par ici ! Oh ! J'ai trouvé des œufs d'oiseaux là-haut. Je les ai lâchés dans le mécanisme de la porte. Ça l'a coincé l'office. J'ai... Ah ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Bon, ah ! Les corbeaux ! C'est sûrement l'oiseau, pas vrai ? Celui qui a pendu les œufs. Bon, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on va partir d'ici et très bientôt. Parole de Whitley. Il faut juste que je trouve comment. Il y a forcément un moyen. La voilà ! Continuez les tests. Et surtout, on s'est jamais vus. J'ai eu une petite conversation avec la console des portes. Disons que son processus a été terminé. Bref, reprenons les tests. Hein ? Oula. Elle est pas rassurante du tout. Alors. Wouh ! Eh ben, on peut le dire, ça baigne. Oh vache. Oui. Portail de blablabla, lumière, prout. Attendez. Oh, il va falloir faire un truc où je récupère, voilà, un peu plus haut, ouais c'est mieux. Et alors pour atteindre l'autre côté, vas-y toi. Oh, puis, ah, j'ai glissé chef. Eh bien, on recommence. Non, j'étais guaqué par l'œil de GLaDOS là. Évidemment, je vais me faire une joie de la déconnecter. Disons que son processus a été terminé. Bref, reprenons les tests. Comme ça. Ouf. Alors, ah, oh, il y a une autre caméra là-bas et celle-là je peux pas la guaquer. Oh. Bref. Réfléchissons. Ok. Oh la vache. Attends, je pense que je peux me lancer comme un fou. Ouais, c'est pas grave, je pourrais requalifier à l'autre bout. Ouais. Pardon, mais c'est pas mal. Avec un... Je décale légèrement. Ouais, voilà, c'est centré. Allez, go. Merde, Doom! Mais non, mais. Mais. Au secours! Non! Je vais mourir! J'ai reglissé, chef. J'avais compris la première phase de l'énigme. Il a fallu que je dérape comme un ego. Oh, le jeu est gentil. Le jeu est vraiment indulgent. C'est sympa. Ça évite de tout refaire. Non! Et merde.
ne bouge pas. Voilà. Attends, toi tu bouges plus. Alors réfléchissons, réfléchissons. Mais c'est facile. Hein. Enfin, je crois. Ah, c'est peut-être un peu court. Ah oui, non, ma perspective était pas la bonne. Je me disais aussi, c'était surprenamment facile. Ma perspective était pas bonne. La 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 la. Réfléchissons et procédons, je sais pas comment. La 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 la. Je peux. Attendez, ah mais oui, mais c'est en partie réfléchissant ici. Donc si je joue avec la chute, ça peut le faire. Attendez, le cube reste là. Le cube. Oh la vache, ça va être balèze. Attends, c'est concevable mon truc? Je crois. Merde! Le cube tombe. Ouais, non, c'est à trop de décalage. Ah! Avec un petit jeu d'adresse. On va la refaire. On va la refaire, on va la refaire. Faut que j'anticipe en fait de quel côté je vais me laisser tomber. Si j'opte pour ce côté là, voilà, le point de gravité du cube est là. D'ailleurs, rien ne m'interdit de me retourner violemment pour. Hop là, je te récupère. C'était pas interdit. Je vais même le porter à votre dossier. Dans la section mention spéciale. Oh, comme c'est vide. Performance satisfaisante. Dans l'ensemble. Elle cherche quoi? Je l'appelle madame la professeure ou... Aïe aïe aïe. La 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 la. J'adore les écrans de chargement parce que vous le voyez peut-être pas, mais en bas à droite, j'ai mon indicateur d'image seconde. Le prochain test contient des tourelles. Vous vous en souvenez? Oui. Les choses pâles et froides remplies de balles. Ah non, ça c'est vous dans 5 secondes. Bonne chance. La vilaine. Elle veut que je sois criblé de balles, la peau de vache. Ouais. Oh là là. Mon dieu. Bah ça change un peu de... Enfin bon, ouais non. Bon bref, je vais le faire. Oh non. Oh là là. Oh oh. Elle m'en a pas mis 50, la vilaine. Elle va dire, reposez-moi. Puis quand j'aurai neutralisé, ça en rancune. Allez, tirez-vous entre vous, là. Cible perdue. Tu m'étonnes. Repos. Alors. Bonjour. Bonjour, c'est l'amour qui vient frapper à ta porte. Alors. Elle repose sur. Qui va là? Ah! Attends, je la reprends. Oh, c'est moi. C'est une surface valable, ça, non? Cible perdue. Tu m'étonnes. Au revoir. Parce que si je fais ça. Et ça. Mode sentinelle activé. Ah, oh, merdoum! Je sens que je vais rigoler. Hop là! J'ai fait un strike? Oh, merveilleux, j'ai fait un strike! Ma théorie s'est vérifiée. Que c'est drôle. Deux pour le prix de... Oula. Oula là, il y a un problème de... Il va falloir décongestionner tout ça. Ah! Ouais, ouais. Va mater l'entrée. Ça te fera les pieds. Voilà. Ta 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 la ta ti li tu lu. La 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 la. Ah, alors attention à la vilaine. Ah! Activé.
Elle va avoir un souci. Hop là. Aïe. Elle arrive à me toucher, la peau de vache. Fermeture. C'est ça. Oh, ce conglomérat de tourelles. C'est n'importe quoi. Oh là, il y a des trucs de cassé. Ah. Oh. Oula, il y en a du moins. Eh, mais de quelque... Ah oui, merde. Ah, je suis plus à l'abri, c'est vrai. Oubliez-moi, oubliez-moi. La 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 la. Mode sentinelle activé. Mode dégommage, oui. Oh, dans tes dents. Oh, les marrons quand les chiens rancoon. Je ne m'en lasse pas. Tiens, mange ça. Boum. Et elle en face. Ah non, on ne réagit pas. Presque pas. Alors. Oh, c'est mignon. Je vais avoir un comité là. Ah oui. Vaches, elles sont nombreuses ici. Oh, les vilaines. Attendez. Ah oui. Elles sont nombreuses. Attendez. Ah, je peux m'amuser à... Bah oui, rien ne m'interdit de... Tiens, mange ça. Oh merde, j'ai loupé. Oh, la peau de vache, elle a résisté. Ah. Oula, faut que je me baisse. Oh, c'est Mimi. Elle est pas rancunière, la miss. Coucou, je récupère mon cul. Dommage. Attends, celle-là, elle m'inquiète. Ouais, ça devrait suffire. Oh non, j'ai visé à côté. Oh le con. Attends, je vais prendre la caméra GLaDOS. Tiens, déguste. Oh, joli. Magnifique. Hop là. Oh, juste au-dessus d'elle. Bah tiens, je vais lui donner sa sœur. Tiens, retrouve ta frangine. Oula. Il y a le panneau qui a dégusté 2 balles. Ah, alors je me sens mieux. Ah bah voilà. Que demande le peuple? Tiens, j'embarque une caméra. Ah! Mais pourquoi c'est cassé ici? Oh non! Oh non! Mais c'est plus exploitable là, je suis obligé de chuter. Vous êtes sérieux? Ah oui, non, mais bon, bah crotte. Oh là là, doucement la chute. Oui, voilà, par des petits tuyaux, on y va tout doux. Voilà. Oui, non, c'est. Qu'est-ce que c'est que ce micro-sas? On dirait un sas pour nain, là. Excusez-moi du peu, mais. Oh! Ah! C'est. Oh! Passage intermédiaire. Que de mystère! Pour maintenir un cycle de test constant, je simule la lumière du jour à toute heure. Et j'ajoute des vapeurs surrénales à votre arrivée d'air, histoire de brouiller votre perception du temps. Au fait, hier c'était votre anniversaire. Bon anniversaire. Oui, le plafond a été refait. Oula. Oh, ce boxon. On a des choses.
trop bizarre. Ah mais il y a des pièces, des éléments de construction partout. C'est quoi ça? C'est un sas qui mène vers l'incinérateur là ou quoi? Vu la couleur orangée de la lumière. C'est trop étrange. Oula! Ouh! Tu n'es arrivé si soudaine. Cette salle est tellement étrange. Allez, on va la débrancher. Hop là. On va la débrancher, la vilaine. La 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 la. Oui, que je neutralise le laser, au moins qu'elle serve à quelque chose. Enfin, si j'y arrive. Oh, bah merde alors. Attendez. Quoi? Trois croix. Comment ça, trois? Oh, la caméra est trop petite de GLaDOS pour casser le truc. Ou alors faut le coller vraiment contre l'émetteur. Ah non, ça marche pas non plus. Oh, je suis déception. Ah, j'ai gagné. Je peux passer en toute liberté. Nah. Alors, 14. L'entrée était par là. Ok, tout va bien. Ok. Okidoki, la ditata. Ah! Oui, d'accord, un laser. Enfin, un départ pour trois arrivées de laser. Ok, ok, Doki. Va falloir que je me creuse les méninges. Oula, ça va être sport. Ça va être sport, ça va être sport. Et puis ça peut pas. Oh! Oh mazette. Il va y avoir un truc du genre. Non, puis non, mais celui-là il est pété. Donc, ça s'appelle mieux. Oulala, qu'est-ce que c'est que ce mince? Non, oui, non, mais non, sois pas atterré, tu une scène. Attends, 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 attends. Ah. Ah, je peux faire. Ok, on va faire quelque chose propre dans les rues de l'art, bien, bien, bien rectiligne. Du moins, j'espère. Ça se réfléchit là, donc si je fais ça, je peux le remettre là. Mais, il va falloir que je recule ça pour le mettre là. Attends, est-ce que je peux en traverser deux d'un coup? Mais c'est bien sûr. Mais c'est bien sûr. Vous vous rappelez que je vais vivre éternellement et que vous mourrez d'ici 60 ans? En fait, je développe un cadeau d'anniversaire en retard. Enfin, plutôt, une procédure médicale d'anniversaire. Bon, une expérience médicale d'anniversaire, si on veut être exact. Ce qui compte, c'est que c'est un cadeau. Je ne dis pas qu'elle va s'improviser proctologue, ça va être violent. Ah mon dieu! C'est indécent. Au secours, je bois un coup. Votre combinaison vous donne l'air stupide. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans votre dossier. Elle va très bien à d'autres personnes, mais un scientifique a noté qu'elle vous donne l'air stupide. Bien sûr, un vieil ingénieur barbu et la mode, ça fait deux. Il est sûrement... Ah, mais attendez, c'est une femme. N'empêche que... Ah non, attendez, elle est docteur en sciences. En sciences de la mode. Oula. Oh merde, j'avais pas vu. Ah. Et puis elle a des réflexes celle-là. Oui, je suis toujours là. Hop là. Comme ça. Ah. Tu l'as dans le cul, Lulu. Pouvez-vous approcher? Oui. Ah. Non, non, non. Non.
Non. Au secours. Ah. Ah. C'est un gros gros bordel. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Madame Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Cependant, il faut que l'on me dise que j'ai un tarif pour une vite, mais je sais pas. Waouh, waouh, waouh. Ouais, le coup du bon anniversaire en retard, non mais bon, c'est GLaDOS quoi. C'est GLaDUS. Je peux pas les choper comme ça. Ah oh, mais si. Oui, oui, je suis toujours là. Oh merde. Ma première tentative était un coup de bol où j'avais du vraiment un coup de bol quoi. Je croyais qu'à la fin de 1 elle était morte. On avait espéré, mais disons qu'elle était dans un grand coma. Et malheureusement elle est de retour. Oula. Bon Yule, c'est l'amour qui vient frapper à ta porte. Ah, bonjour Ronnie, comment que ça va? Mais ça va bien, merci, j'espère que toi aussi. Hop là. Oui. Oh oui. Magnifique jeu de domino. Magnifique jeu de domino. J'ai adoré. J'ai adoré, c'est pas fini. Attendez. Viens là, vilaine. Viens là, vilaine. Et hop. Non. Comme... Attends. Hop là. Non, j'ai loupé. J'ai le droit encore à 3 essais. Ouais. Hop là. Hop. Non. L'autre côté. Hop. Oui. Aïe. Attention. Oula, il y a des balles qui volent. Elle est morte. Elle est morte, Adèle. Oh merde! Un guet-apens. Et toi, va mourir. Ouh, le stress! Bon, j'ai des projectiles. Ça peut s'arranger. Surtout s'il y a un plafond blanc. Ah non, merde, y'a pas. Y'a pas de plafond blanc. Je vais l'avoir dans les dents. Là, elles peuvent tirer ou pas? Non, elles ne m'ont pas vu. C'est quoi ça? Oh, pilote qui est toujours là pour me mater, elle me tue. Voilà! Oulala! Là là. Oula! Puis il y en a même là-bas aussi! Cette caméra me dérange. Va mourir, toi. Alors, merde. Pourquoi c'est une paroi? Ah oui, c'est une paroi. Ah! Sur quoi j'ai marché? C'était pas prévu. Je m'y attendais pas du tout. Attendez, en sautant, je peux... Ah, il y a quelque chose à faire. Mmh. Oh la vache. Comment qu'elles défendent le cube, les peaux de vache? Ça va comme un dimanche soir. Ouais. Ah bah oui, après il faut aller bosser le lendemain. Ouais. Bon, c'est la vie. Ah là, m'en parlez pas. Et rien ne leur échappe. Hein. Rien ne leur échappe. Alors, réfléchissons. Il n'y a pas de portail blanc. Oh, y a rien de blanc près d'elle. C'est là, caca. Mais si je fais ça... Ah oui, mais elle me voit, là.
Coucou. Ah, il y a du blanc un peu de leur côté. Si je pouvais mettre le bleu là-bas. Voilà. Ouais, non, je vais me faire fusiller, ça va pas. L'autre, elle va me boire. Merde. Melum clotum boldelum. Je ne sais pas comment procéder. Mais non, c'est pas relou, Attendez. J'atterris. Ouh, je suis dans la merde. Ah, j'ai eu chaud. Si seulement je pouvais tomber dans l'orange très rapidement. Oh, il faudrait que je tombe dans l'orange rapidement. Non, c'est de la folie. C'est pas valable. Comment faire? Oh non! Que c'est cruel. Oui, comme tu dis. Mode sentinelle activé. Oh merde! Non, t'as rien vu. Hop, toi tu viens avec moi. Mais... Ah! Je l'avais! Mais... Merci. Alors, l'autre, hop là... Allez, viens là. On n'en parle plus. Cible perdue. Cible perdue. Revoir. Oula. Elle se décale d'elle-même, la fausse. Je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas. Activé. Ah merde, ça compte pas pour une surface. Ah, je suis déception. Ça faisait partie de mon plan. Merde. Bah, ça dépend des cartes. Mais là, oui, la carte là, elle est vilaine. Tu vois, elle me... Attends, je peux pas les cloisonner comme ça. Oh merde, je suis à poil. Non ! Je suis tombé de portail. Merde, je me suis encore gouré de portail. Portail entre les deux, l'orange et le bleu. Ça, genre, commet les mêmes bévues qu'en cop avec Tunsen. Vous l'aurez reconnu. D'ailleurs, je peux l'avoir comme ça, non ? Repos. Non ? Recherche. Bonjour. Mais oui, je peux la faire tomber comme ça. Oh. Recherche. Oui, non, mais là, elle pose plus de problème. Hein. Eh oui, allez, hop. C'est comme ça que j'aurais dû faire. Ce bordel. C'est trop drôle. Shawakun. Coucou. Oh, comment je l'excite. Non, blague à part. Ouais. On est d'accord que je peux pas... Merde! Ah, si, ça va. Ça peut être intéressant.
Hop là, je suis là. Hop. Cible perdue. Ah, je peux pas interagir avec. Merdoum. Y a pas de plafond. Coucou. Je suis là. Je les rends folles. Bon, en même temps, on va pas se voiler la face. Je suis dans la mouise. Oui, très peu présent sur les lives, ouais, bah ouais. Ah, on fait avec le temps qu'on a. On fait avec le temps qu'on a. Au revoir. Pouvez-vous approcher? Est-ce qu'elles pourraient se fusiller entre elles? Vas-y, voilà. Ah non, merde, le rayon va pas dans le bon sens. Ah! Ah, la surface là je peux pas, mais celle-là je peux. Tiens, c'est bizarre. Sérieux? Ah ouais, sérieux, sérieux. Tiens, c'est étrange. Bonjour, voilà. Cible perdue. Parce qu'il est vrai qu'il faut atterrir au-dessus, là, sur la plateforme, mais comment? Qui va là? Ah merde, merde, merde. Attendez. Ça, on peut pas. Coucou. J'aime bien les provoquer. Trop drôle. Aïe. Comment faire? Si je me téléporte là, moi, avec un joujou. Hop là. Dans mon élan de droite à gauche là. Et on est d'accord qu'on peut pas. Là j'ai un mur blanc alors que là j'ai un mur noir. Il doit y avoir une importance. Faut que je regarde bien la symétrie. Elle est plutôt simple celle-là, mais tu as pas tout essayé. Oui, 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 t'inquiète pas, t'es une scène, attends. Mon cerveau va finir par... Ouais, sauf que là, je suis trop loin. En plus, je me suis pas centré. Tout essayé. D'ailleurs, est-ce que je peux la... C'est très con. J'ai même déclenché un succès tellement que c'est con. Très très con, mais rigolo. La 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 la. J'ai trouvé un nouveau jeu dans cette tourelle. Wouh!
Je vais finir par me la prendre dans la tronche, vous allez voir. Allez, on compte les points. 2, 1. C'est ça, la tour El Pong. Exactement. Non, sérieusement, je commence à fatiguer. Je reprendrai la salle là une autre fois. Et puis... on va faire le tableau mystère, puis je vais rendre mon... le ping-pong de tourelle, ouais. Ces vis-là. Merde, mais oui, je vais me faire voir des autres, que je suis con. Oui, non, laisse tomber. Aïe, ça pique. Aïe, 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 ça pique beaucoup. Ça pique beaucoup. Ça pique, ça pique. Oh, je ne résiste pas non plus à faire mon sadique. Merde. Ah, mais non, c'est pas ça que je... Je voulais faire mon sadique avec l'ancienne caméra de GLaDOS. Elle aussi, elle y a le droit à faire mumuse. Allez-vous. Ouais, ça rebondit moins souvent. Ouais, c'est moins drôle avec l'œil de GLaDOS. Bon, bref. Attendez, il y a un truc. Non, c'est... Attendez, puis là aussi, merde, les plafonds qui sont pétés. Hop là, mince. J'ai des mises en alerte, faut que je fasse gaffe. Oh! Tiens, je me suis décalé dans le saut, dis donc. Comment j'ai fait? Je pensais que j'étais condamné à avoir une trajectoire rectiligne, mais c'est pas aussi simple que ça. Oula. Je te fais gifler de la douce, moi. Oui. Oh! Je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire, mais ça a marché. À force de faire des conneries, je déclenche une soluce. Je sais pas si c'était la bonne, mais... Mais non, mais... C'est en verre blindé? Oui, c'est en verre blindé. Oui, c'était pas ça, mais le résultat est là. Non, mais je te dis que... Je... Attends. Oh, ah, aïe, 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 aïe. Au revoir, au revoir. Allez, hop. Oui, allez, va, allez, tomber. C'est ça, hop, au revoir, hein, voilà, bon. Ah. Oh merde, j'ai vu qu'il y avait les deux d'arrivée. Ah, ah, ça a piqué, non, au secours. Oh les vilaines. Hop là. Et pan, fais la bise à ta soeur. Sharon. Oh, elle va adorer. Regardez par vous-même. C'est rigolo. Allez, hop, pour le plaisir. Pour le plaisir de se venger. Oui. Oh oui. Et le 2. Et le 3. Qui dit mieux? Oh merde, dommage, elle s'est désaxée. Le but étant de ramener le mur bleu en haut. Je parcours la liste des sujets de test en cryostase. J'ai réussi à en trouver deux qui ont le même nom que vous. Un homme et une femme. Comme c'est intéressant, le monde est petit. Mmh. Bon, c'est bien. Je ferai la prochaine salle la prochaine fois. On va se regarder un petit film offert par GLaDOS qui dure quelques secondes, je crois savoir. Puis on va passer au tableau mystère. Aïe, oui. Oh là, vous ne me voyez plus, là, il n'y a plus de lumière. Après le prochain test, j'aurai une surprise pour vous. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais voici un indice. Vous y retrouverez deux personnes perdues de vue. Deux personnes? J'aime bien les modèles de texture des tourelles. C'est stylé.
Deux personnes. Pourquoi deux? Bon, on verra ça au prochain épisode. Oui, sauvegarder. Oui, non, les sauvegardes sont auto. Et non, c'est bien. Oui, je peux enregistrer là aussi. Oui. Merci pour le clip. Merci. C'est tout noir. Oui, tu m'étonnes. Revenir au menu principal. Je vais revenir dans la lumière dans quelques instants. Quitter, machin. On va se regarder un film. Il y a des films offerts. Voilà. Ou alors on fait par le contraire. On avait fait Super 8. Donc j'ai vu la bande-annonce hein, de Spielberg. Merci, Twinsen. C'était très intéressant culturellement. Mais peut-être qu'un jour je regarderai le film Super 8. Je sais pas s'il me passe sous la main. Ça a l'air pas mal. Le mystère dans le. La chose étrange dans le wagon qui a déraillé. Alors, bande dessinée de Portal. Ah, c'est un truc qui se consulte comme ça. Oh là là! Oui, alors, oui, non, c'est très particulier. C'est... Oh là là! C'est très très particulier. Pourquoi je peux pas mettre en plein écran? Moi, je veux bien voir avec vous la bande dessinée, mais autant qu'on est en plein écran. Portal 2, Labra, c'est beau. Next. Ah. Le réel est une création de la conscience pour elle-même. Une structure artificielle invoquée par les échanges d'ions calcium de millions de détonations synaptiques. Une vérité si étrange qu'elle ne peut être qu'un mensonge. Notre conscience nous ment, c'est une certitude. Ouh là 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 là. Quoi encore? Réalité ou fiction mentale? Peut-elle vraiment être éveillée après tout ce temps? Sûrement un mirage, si elle était vraiment là, les tourelles s'en seraient chargées. Acquisition cible, sous-tutu, la fin est proche. Oh mon dieu. Oh mon dieu! Employé seulement, ne pas ouvrir, pend le cube de, de cœur. Pour la fin des temps, oui, ne fais pas ça. Je dois le faire, essaye de comprendre. Ah, le mec est fou avec une canette devant son casier de... Oh là là. Des caméras dans les caméras, il n'y aura aucun soupçon. Génial. La racine carrée de 2 est irrationnelle. Si X est irrationnel. Allez, quoi? Tu n'as pas besoin de ça, tu vas bien. Ça fait si longtemps, j'avais mis ces deux-là de côté pour aujourd'hui. J'ai besoin... On dirait presque le cri de Munch. Presque. J'ai besoin d'avoir l'esprit clair pour affronter ce qui arrive. Ce sera fini entre nous. Il boit, glops, glops. Il y a des moments où je distingue la grammaire de cet endroit. Oh là, je suis à 6 pages sur 27. Une chose impossible, l'œuvre d'un architecte dément, la relique d'un âge qui n'aurait jamais dû être. Un amalgame métastasé de modules, d'ajouts et d'appropriations qui se reconstruisent sans fin. Magnifique et terrifiant. Et tout comme ce qui est cloné à partir d'une cellule cancéreuse, probablement immortelle. Reste sur ta droite, tourelle devant sur ta gauche, peu importe. Quelle étrange BD. Une autre fresque pour marquer l'occasion. Oh, c'est stylé. En chemin vers la chambre finale, où est la fille? Tu veux dire avec elle? Elle n'a aucune chance. Elle en a plus que tu ne le penses. Ouais, la fameuse Shell. Chikibou. Message de FunFan. 12992. Dans ta webcam, il fait tout noir. Peut-être il faudra allumer la lumière. Le noir plus cette voix sensuelle. Vous êtes sur la ligne rose du sage. Si tu veux des récits cochons, appuie sur 1. Si tu veux des photos cochonnes. Oui, bon, attendez. Je continue la lecture de la BD après. Je vais allumer la lumière, je suis d'accord. Ah, mon Dieu. Je vous aurais tout fait aujourd'hui. Tout. Ah, tu te sais qui est. Il s'excite sur le 1. Ah, n'importe quoi. Ah, c'est malin ça. Bravo.
N'importe quoi. Attendez, je mets un peu plus de puissance à la luminosité avec la lampe halogène. J'arrive. Ah. Hop là. Aïe, 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 aïe. Alors, question de Ronnie. Comment fait-on des audios comme FunFan? Alors, oui, non, c'est la voix de synthèse, mais elle est... Ah oui, 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 oui. Oui, alors, moi, concernant mon compte, la voix de synthèse est réservée à ma modération, sinon ce serait un foutoir d'enfer. Et d'un point de vue technique, de l'autre côté, quand t'es, oui, comme dit FunFan, quand t'es maître de ta propre chaîne, diffuseur, effectivement, il faut acheter la version premium de Wisebot. Ouais, ouais. Et moi, je sais pas pourquoi, il y a eu des mises à jour de Wisebot, je suis pas retourné dans ma coulisse. Et moi, j'ai des voix au hasard. Je relance un direct tweet, j'ai une nouvelle voix attribuée. Donc je veux pas changer ça parce que c'est très drôle. Je me laisse surprendre, ça change à chaque fois. C'est rigolo. Bref, la suite de la BD. C'était quoi ça? Oui, il y a eu un énorme tremblement de terre. Ça va, la pièce s'est désintégrée. Comme prise dans une centrifugeuse, je pense qu'il voulait dire. Désaxée. J'ai entendu une explosion. Quelle en était la signification? Une seule explication, le mec qui se barre. Elle l'a fait, c'est fini. Le crash. Message de Dorota 77. Bienvenue sur la boîte vocale du téléphone rose. Tape 1 pour une discussion coquine. Tape 2 pour une photo sensuelle du sage. Ou tape 3 pour revenir au menu principal. Ah, c'est horrible! Ça le fait! Ah, c'est indécent. Excellent. Oui, donc on voit GLaDOS, le crash ultime. Sacré matinée, vous avez manqué la meilleure partie. Il y en a fallu... Non, il y en a encore fallu utiliser l'interrupteur d'urgence. Henri, vous avez un drôle d'humour. Quoi, une case of regard dial? Oula. Nous sommes chanceux de pouvoir travailler sur ce projet. De la chance, vraiment. Tu vois, chaque génération a des frontières à repousser. Einstein avait la relativité, les cow-boys de la NASA avaient la Lune. Tous les trucs faciles étaient pris. Je veux dire, regarde autour de toi, on est vraiment à la pointe. La conscience artificielle, c'est notre frontière. Oui, mais à chaque nouvelle session, il lui faut un 16e de picoseconde avant qu'elle essaye de nous supprimer. Un 10e de picoseconde lors de la dernière session, il y a du progrès. Moi, je dis qu'elle est là, l'avancée scientifique de notre génération. Ici, Kev Johnson, fini la pause café, au boulot, ce message est préenregistré. J'aurais préféré aller sur la Lune. Oula. Oh, le dessin est superbe. J'aime beaucoup. Où est la fille? Elle ne peut pas rester pour contempler son œuvre. Elle est probablement sortie prendre l'air et le soleil à la surface. Probablement, c'est quoi un soleil? En plus, c'est une bonne idée. Faisons pareil. Il fait encore jour dehors. Ah oui, c'est après la fin du 1. Excellent. Attention, tourelle en chemin. La reine est peut-être morte, mais on a secoué ce nid de frelons. Tu m'étonnes. Mes yeux, libres. Chut, j'entends quelque chose. Vite, avant d'être découvert. Ah, terrible. Non, ça l'emmène à l'intérieur. Et Doc, tu peux m'aider? Oui. Passe ta main là-dedans et essaye d'atteindre l'interrupteur. Attends la sécurité d'abord. T'es droitier ou gaucher? Droitier. Alors utilise la main gauche. Pourquoi? Par sécurité. C'est quoi ce truc en fait? Le dernier cri de la technologie en matière d'inhibition et d'IA. C'est un peu comme une conscience. Si c'est pour tenter de la contrôler, cela sera insuffisant. Pourquoi cela? Une conscience peut toujours être court-circuitée. N'y retourne pas. Je ne peux la laisser comme ça. Tu devrais fuir cet endroit. Fuir et me cacher, je n'ai jamais fait que cela. Voilà la raison pour laquelle tu es encore en vie. Tu n'es pas le héros. Les héros meurent. Tu ne comprends pas, elle est en bas, je ne l'abandonnerai pas. Si elle n'avait pas été là, je serais encore prisonnier. C'est trop dangereux, tu vas te faire tuer. Peu importe, je suis fatigué de fuir, je dois essayer de la sauver. C'est de la folie. Attends, je suis à 16 sur 27, bon, on est à la moitié de l'histoire. Tu ne me sens...
Ah oui, merci, la version PDF. Non, mais vous arrivez à voir, et puis je lis pas trop mal. C'est correct, c'est vrai que je pourrais avoir une intonation un peu plus incarnée, on va dire. Oui, merci pour les clips, merci pour les infos et les liens, vous faites bien. Oui, donc pardon, je continue l'histoire. Je me sens pas très bien, les pilules que tu as prises, je crois qu'elles commencent à faire effet. Je n'aurai bientôt plus besoin de... Non, tu n'auras bientôt plus besoin de moi, j'aurai toujours besoin de toi. Je n'en suis pas sûr. Non. Voilà. Ils l'ont déjà placé en relaxation prolongée. Ah oui, la chambre de départ. Excellent. En fait, la BD fait le lien entre le 1 et le 2. Excellent. J'ai besoin d'atteindre le contrôle cryogénique, mais l'étoile bloque l'accès. Sachant cryogénique, quelque chose cloche. Le maintien des fonctions vitales n'est pas assuré. L'explosion a fait sauter l'alimentation principale. Sa chambre n'est plus alimentée. Les chambres cryogéniques ne sont plus alimentées. J'ai le droit à un seul essai. Je dois traverser la pièce, passer les tourelles, passer le rail et plonger sur la gauche ou la droite pour éviter de prendre une balle. À droite ou à gauche? Eh, hey, t'es encore là? Droite ou gauche? Pas le temps d'y penser. Allons-y. Oh là là. Eh oui, évidemment, il se fait sniper. Doit rester conscient. Oh, le dessin est terrible. Oh, GLaDOS. Alors, le centre d'enrichissement souhaite vous faire part de l'initiative d'un nouvel employé pour votre participation volontaire forcée. Si un employé souhaite ne pas participer au... Ah oui, le PDF en anglais, oui. Bonsoir, Tomouf, j'espère que tu vas bien. Pardon, je suis en train de lire la BD qui fait le lien entre le 1 et le 2 dans Portal. Si un employé souhaite ne pas participer au nouveau programme de thèse volontaire, je vous rappelle que science rime avec obéissance. Et savez-vous ce qui ne rime pas avec obéissance? Neurotoxine. Ça lui va bien, GLaDOS. En considération du taux de mortalité, il est possible que vous soyez réticent. Le centre d'enrichissement vous assure qu'il s'agit là d'une réaction motivée par l'intérêt personnel. Pourquoi n'êtes-vous pas aussi intéressé par la science que inséré nom du collègue? Il n'y a plus que vous, tous les autres sont morts. Vous échappez aux captures depuis des semaines. Qu'est-ce qui vous rend différent? Je vous délire de persécution, paranoïa pathologique. Tout est dans votre dossier. Êtes-vous à jour au niveau prescription? La schizophrénie est un phénomène culturel. Son cycle d'expression est filtré par un substrat dans lequel ses symptômes se développent. Dans les sociétés avancées, ceci se manifeste par l'obsession de se croire surveillé, d'avoir la désagréable impression que la technologie est néfaste, ainsi que d'être à la merci de vagues autres. Tu n'es pas vague, tu es bien réel. Si vous persistez dans votre tentative d'évasion, cela va laisser des traces dans votre dossier. Les dossiers, bien sûr. J'aime bien le style de la BD, très original. Je ne vois pas, mais je sais que vous êtes là. Le fait que vous ayez été diagnostiqué comme schizophrène et que vous soyez persuadé qu'un ordinateur tente de vous supprimer est juste une coïncidence. Quelles sont les chances statistiques? Après tout, vous êtes un scientifique. Quelle est la meilleure probabilité? Être pourchassé par un ordinateur meurtrier ou que tout ceci soit simplement le fruit d'un esprit dérangé? Venez m'en parler, vous verrez que rien de tout cela n'est réel. Je vous demanderai de reconsidérer votre position. Il est évident qu'elle est motivée par la schizophrénie. Votre boîte crânienne n'est pas au mieux. À propos de boîte, connaissez-vous les résultats de l'expérience impliquant un chat et du poisson? En théorie, le chat devrait être vivant et mort à la fois. J'ai répété cette expérience des douzaines de fois. La mauvaise nouvelle est que la théorie n'a pas été vérifiée. La bonne est que nous avons maintenant un cimetière pour chats. Oh la vache! Que faites-vous dans le département administratif? Voilà, j'ai trouvé! Si vous ne survivez pas au test, nous procéderons à la récupération de votre ADN, sans votre consentement. À partir duquel, nous concevrons des clones pour la continuation des expérimentations. Le fait de décéder pendant les tests sera considéré comme un consentement implicite. Pour votre information, les clones n'ont pas d'âme, ni des jumeaux, pourvu que ce soit elle. Que se souhaite-t-elle? Ah, on voit un fichier de tableur. Shell redacted. Shell. Ah, remis en tête de liste alors qu'elle était 1498e. Il y a peut-être des noms des développeurs, des hommages dans la liste. Hmm.
Tac, 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 tac. Oui, ça va bientôt, Mouf. C'est cool. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je descends. Depuis l'installation de ce module de moralité, j'ai perdu toute volonté de meurtre. Ma seule volonté sera de tourner vers l'expérimentation scientifique. Je suis content de l'apprendre. J'ai dans l'idée de conduire des expériences autour de la conscience. L'une d'elles implique des chats. Il serait intéressant de pouvoir la conduire avec le concours des animaux domestiques des employés. Magnifique! Je préparerai les chambres d'expérimentation après les chats. Il ne manquera plus qu'une chose. Quoi ça? Juste un peu de neurotoxine. Tant que c'est pour la science. Ah! Combien de temps je suis resté inconscient? Suffisamment longtemps. Tu es revenu? Je ne t'ai jamais quitté. Une chose que je voudrais savoir, comment connais-tu cette fille? Quoi? Comment sais-tu que c'est elle? Son dossier! Et elle message a le meilleur... Message de Fun Fun 1992. Un chasseur sachant chasser, c'est chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser sans son chien, ça se chasse aussi. Sachez-le. Canaillou! T'aurais pu attendre que je finisse de lire la BD avant de faire le test son. Hein? Je n'apprends. Je recommence. Comment connais-tu cette fille? Quoi? Comment sais-tu que c'est elle? Son dossier. Elle a le meilleur QI? Non, d'autres sont meilleurs. C'est la plus athlétique? Non. Alors quoi? Un pressentiment. Oh, c'est beau. Il est peut-être encore temps. Quoi? Comment faire si on ne peut pas parvenir à sa chambre? Je ne peux pas la libérer, mais tu peux la sauver. Il convient de connecter son unité cryogénique sur le circuit de secours. Réinitialiser les fusibles et redémarrer le support vital, s'il n'est pas déjà trop tard. Mais même si cela fonctionne, il n'y aura pas de date de réveil. Elle restera dans cette position indéfiniment, c'est le grand sommeil. Ou le sommeil infini, lequel choisir. Pardon. Oh mon dieu. Oh c'est beau. Il est beau le dessin. Ça fonctionne, fait de beaux rêves. Morte ou vivante, jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la boîte. Il est temps de se reposer, je suis si fatigué. Un repos mérité. Je savais que tu me serais d'une précieuse utilité. Ah, ça l'aide à escalader le module de survie. Tu m'étonnes. Ah, la dernière page. Et il est dans le module de survie. Avec le papier de Shell. Ah, rejeté, pas de test. Quoi? Shell. Ténacité, niveau de ténacité. Oui, un test subject abnormal. Rejeté, pas de test. Proctor note test subject abnormalis sur bot. She never give up ever. Oh mon dieu. C'est beau. Donc ça voudrait peut-être dire que le mec peut être sauvé et trouvé dans un module en fait dans Portal 2. Peut-être. Ces dessins de Gartic Faune. Ah ouais, non mais c'est beau. C'est beau. Bon voilà, je suis content de vous avoir lu la BD de Portal 2. Ouais, il y aura les clips pour les prochaines fois, je ferai les autres séquences. C'est rigolo de passer par la fin. Enfin, j'espère que je brise pas la narration, mais... c'est sympa. Mon cerveau me dit de passer en webcam. Non, pas webcam, en le tableau mystère. C'est pour ceux qui veulent jouer, allez-y. Je vais déclarer Just Chatting avec le tableau mystère, là. Voilà, discussion. Hop là. Bon, merci pour ceux qui ont regardé hein, le Portal 2. Prenez soin de vous, bisous. On continue là quelques minutes sur le tableau mystère.